et nous avons fait contact avec Jean-Jacques Pierre. Jean-Jacques, qui c'est une légende, une grande personnalité du football haïtien. Pas parce que le Sénégalais a le même genre avec moi, mais c'est un équipe qui passe dans Peñarol. Peñarol qui c'est le premier club qui prend Coupe Intercontinentale. C'est en 1960. C'est un club légendaire parmi les meilleurs dans le pays Uruguay, qui sont un gros pays football. Jean-Jacques, c'est un joueur qui passe dans Nantes. Nantes, c'est gros causé dans le football et français. Parmi les clubs qui plus fort, beaucoup de Monaco, beaucoup de Saint-Etienne. Et Jean-Jacques passe dans Cantou. Donc Jean-Jacques, c'est une grande personnalité qui jouait paquet de compétitions avec sélection haïtienne, non, ancien capitaine Haïti, ancien capitaine Nantes. Donc c'est avec Jean-Jacques nous avons l'opportunité pour nous parler aujourd'hui. Hein, et Jean-Jacques, dans le moment où on a parlé là, c'est entraîneur football lié. Jean-Jacques Pierre, ou non, et Radio Pacifique, nous parlons Fonti Causé. On causé une dizaine de minutes autour de football haïtien, hein, autour de où même comment on a évolué dans le football français en tant qu'entraîneur. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Kimberly. Bah, en tant que m'a salué et m'a félicité, comme on s'est dit tout à l'heure. Pas en tant que jeune Léogane, mais jeune haïtien tout court par rapport à pour détermination, pour ça que vous